Après le lancement des travaux des commissions thématiques des États généraux de l'éducation nationale le vendredi 14 janvier 2022 par le directeur de cabinet Mamadou Binaté, représentant du ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, les assises thématiques ont effectivement débuté le mardi 18 janvier 2022 et se poursuivent. En effet, ce jeudi 20 janvier 2022, au sein de la direction des examens et concours d'ECO d'Abidjan Plateau, s'est tenue la rencontre de la commission de la thématique numéro 1 qui a porté ses réflexions sur la politique éducative et cadre légal. Présidée par le professeur Mebout Patricia de l'École normale supérieure, les membres de la commission ont convenu d'interroger à fond le cadre politique légal réglementaire existant pour formuler des recommandations dans le sens de la mise en cohérence du dit cadre avec les aspirations de la Côte d'Ivoire. Je dirais que ce sont des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que bon, les états généraux de l'éducation sont bien venus pour poser le diagnostic du système éducatif afin de trouver les solutions. Et nous sommes dans une commission très importante, la commission chargée de la politique éducative. Ce que je retiens, c'est que en Côte d'Ivoire, au niveau de la politique éducative, des éléments existent. Il y a des éléments tangibles existent. Mais c'est l'application qui pose des problèmes. Donc, nous avons insisté sur l'applicabilité des décisions qui sont prises et puis voir comment pouvoir élaborer ces politiques de manière holistique, de sorte que ça puisse prendre l'ensemble des préoccupations de la population. Aujourd'hui, l'éducation, c'est la base de tout. Aujourd'hui, avec cette thématique, on apprend beaucoup de choses sur l'école ivoirienne qu'on ne connaissait pas. Moi, par exemple, en tant qu'élu, j'ai appris des choses ici aujourd'hui qui vont beaucoup m'apporter dans ma commune. Par exemple, le COGEP, l'éducation de la petite fille, et l'éducation même en fait même de la petite enfance. L'école ivoirienne est en grande difficulté et quand on assiste à ces assises-là, ça permet d'avoir de l'espoir. Nous avons parlé de la politique éducative et de la politique éducative découle toute l'école. Il y a des lois qui sont dépassées. Donc nous devons travailler à ce que ces lois-là soient révisées pour permettre à ce que l'école soit plus efficace. Les états généraux vont permettre à l'école ivoirienne d'être une école de qualité centrée sur le bonheur des enfants. Avec les débats que nous avons, j'ai bon espoir que l'école ivoirienne retrouve ses lettres de noblesse. Bon, les sentiments sont très, 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 très bons. D'abord, il faut que je dise que c'est avec joie que nous avons accepté de participer à ces travaux. Parce que nous, en tant que structure des parents d'élèves, nous avons notre mot à dire dans ces assises. Alors, nous avons essayé d'examiner à l'occasion de ces états généraux ces politiques à travers leurs forces et leurs faiblesses. Et vous savez que normalement les politiques éducatives devraient aussi être réajustées par rapport aux mutations de la société, par rapport aux attentes de la société. C'est tout cela que nous sommes en train d'examiner. Moi, je retiens de cette journée que les propositions sont édifiantes et je pense que ces promoteurs, il fallait vraiment qu'on se rencontre pour pouvoir échanger afin de concrétiser justement cette union sacrée autour de l'école.